Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 22 août 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine, un très très bon week-end et puis un très bon mois d'août hein, parce que il tire vers la fin. Que tout le monde est bien rentré de vacances, que vous avez bien recommencé le travail pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui ne travaillent pas, enfin qui ne travaillent pas, c'est un grand mot. Pour ceux qui ne travaillent pas à l'extérieur de la maison, mais qui travaillent à la maison, les mamans, les papas au foyer, hein, qui s'occupent de leur foyer, j'espère que vous avez bien repris. Hein. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 22 août 2022? Pour tous ceux aussi qui ne travaillent pas pour le moment, mais qui souhaitent trouver du travail, j'espère que pour vous, le temps n'est pas trop trop long, hein, parce que on sait que juillet-août, c'est pas forcément propice pour trouver un travail. Hein, les entreprises ferment, voilà, ils n'ont pas encore mis les choses en place pour du nouveau personnel. Donc, les demandes, les démarches peuvent être un petit peu plus longues pour ce mois d'août. Mais souvent, juillet-août, c'est plus propice au fait de souffler, s'occuper de soi, prendre du temps pour soi, voilà. C'est pas forcément propice pour tout ce qui est professionnel, sauf effectivement si vous êtes dans le tourisme. Et encore, 2, 4, 6 et 1, 7. Voilà, c'est parti. Donc demain, nous serons accompagnés par la Lune, hein, ce lundi est associé à la Lune. Avec la Lune, ben, on va parler des émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Et du chiffre 22. Alors, la particularité du chiffre 22, c'est qu'effectivement, on ne l'additionne pas, que c'est deux fois l'énergie du 2. Donc, c'est une énergie extrêmement, pardon, puissante. C'est un maître nombre. Hein. Il a un fort rayonnement. On parle d'élévation. Hein. On parle du nombre des génies, de la réussite. Et ça peut être aussi des moments de nervosité assez importante, puisque ce chiffre étant extrêmement vibrant, il peut pour certaines personnes leur taper un petit peu sur le système. D'accord? Si vous êtes énervé, bah, vous pourriez être doublement énervé ou avoir une montée d'adrénaline plus importante, plus forte. Donc, il faudra qu'on y soit attentif demain à être plutôt dans des énergies de tranquillité, d'être cool, hein, pour éviter justement ben, dans la démesure de s'énerver outre mesure, d'accord, de s'énerver pour quelque chose qui peut être, c'est pas, n'a pas d'intérêt, mais prend des proportions assez impressionnantes. Allez, on est parti. Et vous voyez que même au bol, ça lui a fait du bien, hein, ces petits répits de vacances, hein, puisque il a une résonance beaucoup plus claire, beaucoup plus. Ça fait du bien. Ça fait du bien de le retrouver. Ça me fait du bien de vous retrouver. Je suis vraiment contente. Donc oui, merci. L'opération s'est très bien passée. On fera un live d'ici peu. Il faut que je regarde exactement avec les connexions internet. Mais peut-être que je vous ferai une petite vidéo entre deux, hein, sur cette opération. On verra comment ça va se présenter à nous. Ici, ça parle pour ce lundi 22 de discussion, de communication. Donc peut-être qu'il y en a qui reprennent le travail. Il y en a d'autres qui vont au travail et peut-être qu'il y aura une séance, un rendez-vous, une réunion. Pour ceux qui ne se déplacent pas jusqu'à leur travail, qui sont encore en vacances ou qui sont à la maison, il y a quand même une discussion qui va s'ouvrir, d'accord? C'est peut-être du coup pas pour vous une discussion professionnelle, ça peut être une discussion autour de l'amour, autour d'une union, autour d'une équipe, hein. Donc ça peut être dans l'intimité avec son conjoint, comme ça peut être toute une équipe professionnelle. Qu'est-ce que ça nous donne? Ah oui, il y aura une invitation. Donc, peut-être que vous avez rendez-vous demain pour discuter d'un projet. Peut-être que vous avez rendez-vous demain. Peut-être que votre chéri va vous inviter. Hein. Peut-être que vous avez une réunion. Parce que ça, le rendez-vous, l'invitation, ça peut être une réunion de travail. Hein. Comme ça peut être sortir à l'extérieur, voir un banquier. Ça peut être une invitation aussi qui arrive, hein, d'un chéri, okay, d'une personne qui nous ressemble, d'une personne avec qui on est fidèle, qui nous est fidèle. En tout cas, si c'est avec une équipe, ce sera une invitation qui va bien se passer. En tout cas, c'est une communication qui parle d'association, qui parle de s'associer, hein,
qui parle des autres, qui parle d'être avec les autres. On vous dit que c'est quelque chose qui va arriver rapidement, peut-être que vous ne vous y attendez pas. Et cette discussion, elle amène une clé, elle amène une solution. Donc peut-être que pour le moment, vous avez un petit souci et puis bah, vous allez rencontrer un collègue, une collègue, un ami ou alors quelqu'un professionnel et qui va vous aider à trouver une solution. Ou peut-être que c'est vous qui aidez, vous êtes peut-être vous l'aide à cette solution. Quoi qu'il en soit, pour ce lundi 22, il y a comme l'idée d'avoir une discussion qui permet de trouver une solution à un problème. Et c'est peut-être même quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. On ne s'y attend pas. Peut-être que demain matin, on se lève, on prend rendez-vous, la personne est disponible, on y va, on trouve une solution à un problème. Ça se fait du tac au tac. Ça, l'accident, c'est quelque chose qui arrive rapidement. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas ou qui arrive rapidement. Et ça peut être une discussion avec un patron, ça peut être une discussion avec un chef, ça peut être une discussion avec un responsable, quoi qu'il en soit, c'est une discussion où alors nous allons être dans cette position, hein, dans cette position où cette solution trouvée nous permet de reprendre le contrôle d'une situation, de nos vies, hein, ou alors ça peut être une solution professionnelle trouvée avec un chef, avec un patron. Ça peut être un juge aussi. Hein. Ça peut représenter un juge et un médecin. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui a du leadership. Et il y a cet intervenant où c'est nous, où c'est l'autre personne face à nous qui intervient dans cette discussion. Hein. Mais il a un rôle clé hein, parce que c'est cette personne qui va trouver la solution. Ou c'est avec cette personne avec qui on va discuter pour trouver une solution. Quoi qu'il en soit, demain, on a trouver la solution. Et ça, c'est chouette. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 22 août 2022? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 22 août 2022? À partir de la semaine prochaine, on recommencera hein, les communications un peu difficiles dans tel ou tel secteur. Là, je vais me laisser le temps quand même d'arriver, de m'installer. Et puis de reprendre le rythme gentiment. Alors, les situations qui arrivent vers nous demain, en tout cas, ce sont des situations qui sont protégées. Hein. Il y a une protection qui est là, d'accord. Ouais. On est protégé par rapport à des choses qui n'étaient plus stimulantes, qui n'étaient plus... qui nous alimentaient plus. Des choses peut-être qui étaient un petit peu en train de s'assécher, hein. Et les difficultés, les choses qui piquent un peu. Donc, on nous dit qu'il y a une protection par rapport à ça. Donc, certainement, demain, on sera moins confronté à des épreuves. D'accord? Demain, ça nous parle de nos pensées, ça nous parle de nos souhaits d'enfant, de nos souhaits avec nos enfants ou de nos souhaits de notre enfant intérieur. Ça parle d'une transformation qui est en train de s'établir. Hein. Enfin, il y a une transformation qui est en train de se faire. Donc, ou avec des enfants, ou avec notre enfant intérieur, ou les souhaits. C'est comme l'idée de transformer une façon de faire, une perception des choses, une pensée, une idée. Il y a une transformation qui est en train de se faire, d'accord? Suite à un message qui arrive. Ok? Peut-être que vous allez recevoir un message que vous attendiez depuis longtemps ou d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peut-être que vous allez percevoir des messages de la vie, hein, parce que de temps en temps, la vie nous envoie certains messages qui nous permettent de grandir. Hein. Les épreuves, par exemple, ne sont qu'expériences et nous permettent de grandir, mais aussi les informations qui arrivent vers nous. D'accord ? Des fois, on a des compréhensions sur les choses et du coup, ça change notre perception des choses. Ça peut être un petit peu ça hein, qui nous arrive demain. En tout cas, il y a une transformation par rapport à nos pensées ou par rapport à nos souhaits, nos désirs d'enfant. D'accord? Suite à un message reçu. Et là, encore une fois, je ne l'ai pas encore battu, mais il y a l'enfant là. Donc, il y a un renouveau. Hein. Il y a l'enfant intérieur aussi. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi, la 22 août 2022? Merci de nous donner les messages nécessaires. Les messages nécessaires, oui, c'est vrai, les messages nécessaires pour ce lundi 22. Et ma petite qui fait cling. Ça parle d'une fécondité, donc il y a bien quelque chose qui est en préparation. Hein.
Il y a une préparation, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui est en train d'être fécondé là. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va naître, d'accord? Par rapport à la famille ou par rapport à ce que l'on se souhaite, par rapport à nos ancêtres ou par rapport à un savoir-faire, hein? Parce que en fait, quand on parle de la famille, on peut parler de l'héritage familial, de l'hérédité donc. Même si jusque-là, peut-être que certains d'entre nous, hein, nous sommes peut-être protégés de cette situation parce que peut-être nous ne voulions pas reprendre un schéma familial, nous ne voulions pas reprendre un savoir-faire familial, de peur de tomber dans une croyance, je ne sais pas, peut-être que vous aviez un parent qui pouvait être, qui avait un savoir-faire magnifique avec les animaux, hein, mais que lui n'a pas su faire correctement et du coup, ce don-là, vous ne l'avez jamais accepté parce que le souvenir que vous en aviez était faussé. Hein. On a tous des dons, on peut avoir les mêmes dons, mais on ne va pas les pratiquer de la même façon. Et des fois, quand on voit certaines personnes, comment elles agissent, eh ben, on se protège de nos dons, d'accord? Pour ne pas devenir comme elles, alors que nous sommes uniques et nous ne deviendrons pas quelqu'un que nous ne souhaitons pas devenir. N'oublions pas que nous avons le libre arbitre, hein. D'accord? Donc le fait de se rendre compte de son bouclier, donc le fait de se rendre compte que jusque-là, on était en protection par rapport à cette situation, hein, ça va nous permettre de faire revenir des nouvelles opportunités pour nous, okay? Ce qui amènera un changement. Donc il y a une opportunité là qui va arriver, elle peut être financière, elle peut être professionnelle, elle peut être amoureuse, mais par rapport à un don que nous avons depuis longtemps, quelque chose auquel nous ne voulions pas accéder, nous ne voulions pas donner vie. D'accord? Peut-être par peur, comme je vous dis, de la famille, de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a pu voir de cet héritage familial. Hein? Et puis quand on se rend compte qu'on met un bouclier, donc on empêche les situations et qu'on sait bien qu'il ne faut pas être en résistance, il faut qu'on soit dans l'accueil de ce qui arrive et dans la reconnaissance. Ne pas oublier de dire merci. On accueille un maximum ce qui va arriver à nous et on remercie de ce qui arrive, d'accord? Ça nous fait prendre conscience qu'il y a un blocage, du coup on débloque les situations, enfin on peut bouger, enfin il y a de nouvelles opportunités et ça amène un changement. Ça c'est pas mal quand même, hein? C'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'a envie de nous dire comme message l'appel des sorcières, s'il vous plaît? Quel va être le message de l'appel des sorcières? Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi 22 août, où il y en a beaucoup, 2022. Là, on parle d'une lumière, hein. On parle de souffle de l'éternité. Donc, il y a des informations quand même qui arrivent à nous, hein. Bon, elles sont très belles, elles sont toutes belles, hein. La naissance d'Anaï, encore une fois, il y a bien quelque chose qui est en train de se créer. Il y a une modification qui est en train de se faire, hein. Vous voyez, la naissance d'Anaï, c'est un nouvel être qui se transforme. Là, ça peut être une nouvelle opportunité qui arrive et ça transforme. Le rituel de Shushan, oui, bien sûr, il faut être à l'écoute de soi. Et avec des rituels, ça nous permet de se positionner dans notre spiritualité ou dans notre religion, peu importe. Mais ces rituels sont importants afin de prendre du temps pour soi et d'être à l'écoute de soi. Hein. Ça permet de permettre cette naissance, cette nouvelle compréhension. Et ici, le feu, ça parle de la purification. Donc, ne pas hésiter à prendre un bain d'eau salée, vous mettez des petites bougies, vous écoutez une petite musique à 240 MHz et vous verrez à quel point c'est purifiant. Hein. Quoi qu'il en soit, le message qui nous est donné de l'appel des sorcières, c'est quelque chose qui est en train d'émerger. C'est une naissance qui est en train de se faire là. Hein. Donc, il y a de nouveau des transformations qui arrivent. Hein. On va prendre maintenant le message de notre mère nature. On va prendre le message de Gaïa. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Elle nous parle d'un voyage sacré, d'un cycle de la vie, d'une transformation. Hein. Avec le changement, c'est pas étonnant. Donc demain, il y a vraiment comme l'idée que des énergies se renouvellent. Il y a un renouvellement d'énergie, il y a quelque chose de plus punchy. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Vous allez certainement la sentir. Si vous ne la sentez pas, je vous donne un petit conseil. Demain, prenez 15 minutes pour ne rien faire. Ne rien faire, c'est avant tout s'occuper de soi. Et c'est prendre du temps pour soi. Ne faites rien, imaginez, pensez, rêvez, regardez les nuages, imaginez les formes, peu importe, hein, et prenez du temps pour rêver.
et on pourra vous amener des messages et des informations. D'accord? Comme ça, vous rentrez, vous laissez rentrer les choses. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 22 août 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 22 août 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 22 août 2022? Hop là. Et quelles sont, voilà, quelles sont les énergies d'amour pour ce lundi 22? Voilà. Allez, on est parti. On y va. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que ça nous donne pour demain? Au niveau des amours, on sait déjà que professionnellement, il y a une solution de trouver. Donc ça, à mon avis, demain, ça va assez bien. Il y aura de la communication, hein, si vous voulez un côté professionnel. Au niveau familial aussi, il y a peut-être une solution de trouver. Et au niveau amoureux, pour certains, on nous dit, on nous parle d'un message. On nous parle d'un message... d'un message peut-être que l'on va envoyer, ou des messages, ou des choses qu'on a à dire amoureusement, hein, à quelqu'un. Donc on va certainement vouloir, avoir envie de parler à une personne de qui l'on est proche, hein. On nous parle de notre âme sœur. On nous dit que c'est une personne avec qui il y a une attraction, une alchimie, une attirance mutuelle, hein. Donc il y a un retour à la communication. Voilà ce qu'on est en train de nous dire là. C'est que si vous êtes en relation avec une personne, pensez que c'est votre âme sœur, il y a beaucoup d'attirance entre vous et l'autre personne, il y a possibilité d'avoir un retour de communication avec cette personne. Ici, on nous parle d'une petite sortie, de quelque chose d'un peu superficiel. Peut-être que vous avez arrêté les sorties, peut-être que vous voulez moins sortir en ce moment. Peut-être que vous voulez que les choses soient moins superficielles en ce moment. Pourquoi? Parce que vous avez envie de créer, vous avez envie d'une naissance, d'un projet, d'une vie commune, d'une grossesse. Enfin, vous avez envie de bouger dans une relation qui, pour moi, jusque-là, n'était pas complètement investie et il y a cette possibilité. D'accord? C'était une fin de cycle, en fait. Donc, c'était encore un petit peu... On était en train d'apprendre à se connaître, un peu essayer de se projeter pour voir ce qu'on se voulait. Et peut-être que du coup, bah, ça ne s'ancrait pas. Hein. Il fallait attendre la fin de ce cycle-là, puisque c'était un cycle nécessaire. C'était le cycle pour apprendre à se connaître. Et que vous allez passer là une étape différente, puisque là, il y a l'étape de comment on va dire, de s'investir dans la relation, hein, d'un engagement même, on pourrait dire. Ici, ça nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, d'accord, avec un balance scorpion ou sagittaire. Ou alors, ça nous parle d'une personne qui est superficielle dans nos vies, hein, et qu'il y a une période de détachement pour cette personne afin de ramener un petit peu de chaleur, de détente et d'authenticité dans sa relation. Donc, si vous avez une personne un peu comme ça, qui ne s'engageait pas, qui était un peu superficielle, laissez-lui le temps, il est en train de se détacher d'émotions passées, de situations passées, afin de se réinvestir dans la relation. Voilà mes belles âmes, on arrive à la fin de cette vidéo et on va regarder quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 22 août 2022. Vous avez vu, on avance beaucoup dans les abonnés, on va bientôt arriver aux 10 000 abonnés et bien sûr, je vous ferai gagner de nouveau des consultations. Alors, chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Parents, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leur connaissance et de leur capacité. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu, Ohana. Et puis destin, des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'impose pas de résistance. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique lundi 22 août 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Et j'ai perdu... Non, il est là. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner
Ciao, ciao, bye bye. Ah oui, encore une petite chose, je vous préviendrai une dizaine de jours en avance pour les lives qui, j'espère, vont pouvoir reprendre. En tout cas, la semaine prochaine. Ciao, ciao.